Je suis en train de faire le montage là en fait et je viens de me rendre compte qu'il y a pas mal de vent dans la vidéo et que du coup ça va s'entendre un petit peu donc je tenais à m'excuser que aussi le focus de la caméra il devient clair et foncé en fait au fur et à mesure où je me déplace et donc ça va être un peu dérangeant mais pas plus que ça voilà je vous ai m'en excusé bonne vidéo les gars. Caméra, ok. On a trouvé un endroit finalement. C'est mieux, non? Et voilà! Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas du Versailles Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour la FAQ numéro 10. J'espère que le paysage vous plaira en tout cas. Parce que bon, attendez, je vais vous faire un tour du monde avec toi. Non, voilà, c'est comme ça. C'est la campagne quoi. T'as tort de pas habiter à la campagne, moi je te le dis. Hein. Voilà, donc, sans déconner, on va commencer parce que j'ai pas mal galéré pour trouver cet endroit déjà. Et aujourd'hui, il n'y a pas devant, il y a un petit peu d'air, c'est normal, on est en hauteur, mais eh, vraiment, j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé cet endroit. Je me suis démerdé parce que, comme vous l'avez vu dans la première partie, il y avait des moutons dans le champ où je voulais aller au début, et donc j'ai pas pu correctement faire les choses. C'est pas grave, on a trouvé un autre moyen, et tant mieux, j'ai envie de dire Maurice. Allez, c'est parti. Première question de Dorian. Comptes-tu faire des let's play ou des longues séries? Moi, faut savoir qu'avant, je faisais pas mal de séries. Mais les séries, le problème que j'ai, c'est que je les termine pas en fait. Donc c'est quand même un problème. Donc voilà, je compte pas en refaire. Je vais essayer. Putain, il y a une tonne de mouches, c'est un truc de fou. Je vais essayer de terminer celle que j'ai commencé quoi. Et je vais essayer d'en créer d'autres ou d'en faire d'autres, je sais pas. Faudrait déjà que je finisse ce que j'ai commencé, c'est ça. Encore une question de Dorian. As-tu déjà eu des surnoms? Si oui, lesquels? Et quel était le plus con et le plus mignon? J'ai eu Lucky Luke. Ça, je trouvais plutôt stylé à mon âge. Il tire plus vite que son ombre et tout, c'est stylé. Enfin, à mon âge d'avant, j'avais 8 ans. Et après j'ai eu quoi? J'ai eu Lucas le caca, c'était moins stylé. Ça c'était quand j'étais petit. Et là maintenant on m'appelle Lucas du Barça ou Lucas du Barça de Game, mais je trouve que c'est celui-là le plus stylé. Alors, ma question est, vu qu'il y a le Tour de France 2015, le jeu, vas-tu l'acheter et faire une découverte ou voir plus? Ça c'est une question de Vincent je crois. Je sais plus. Bon tant pis. Si c'est pas de toi, ben dédicace. Ouais, je vais faire une découverte, ça c'est prévu. En retard bien sûr parce que 2016 va commencer. J'ai pas fait le Tour de France 2015. C'est pas grave. Je pourrais faire toujours une découverte, ça changera rien. Mais voilà, bon, pour l'instant, je vais essayer de faire la vidéo. Et après on verra. Ma, quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite? Alors la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est.. C'est ça. Non, en vrai, c'est j'ai brûlé un arbre, un palmier, chez moi. Juste devant chez moi. Là, t'as chez moi. Et là, t'as le palmier. Après, t'as une grande haie comme ça. Maintenant, elle n'y est plus, on l'a coupée. Parce qu'en fait, j'ai coupé... Non, j'ai pas coupé le palmier. J'ai mis le feu au palmier avec un briquet, je m'amusais à mettre des feux, à mettre le feu à des petits trucs, tu vois. Parce que moi j'aime bien le feu. J'adore le feu quoi. Et du coup, je prenais des petits trucs comme ça par exemple. Hop, je prenais, tu vois, je mettais le feu par exemple. Tu vois, ça brûlait un peu. Et là à un moment j'essayais les poils du palmier. Tu sais, marron là. Les poils marrons. Et je me suis dit, est-ce que ça va prendre? J'ai fait fou. En 2 secondes, tout le palmier était en train de brûler. Bon, c'était pas grave, c'était pas grave. Moi je voyais pas que c'était grave en tout cas, mais mes parents de suite ils ont
En plus, c'est marrant, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, maman, j'ai mis le feu à l'arbre. Elle me croyait pas. Je disais, mais si, j'ai mis le feu à l'arbre. Et après, elle est allée voir, il y avait de la fumée partout. Mais elle me croyait pas parce que j'étais petit et j'allais pas faire ça. Mais tu me connais pas, mec, tu me connais pas. La prochaine question, c'est quand que tu gagnes dans des jeux un peu, parce qu'à force, ça doit être dur. Quoi le plus chiant quand on est youtubeur? Le plus chiant quand on est youtubeur, c'est quoi? Ben c'est les montages qui plantent, les ordi qui plantent, un peu avant j'aurais dit les critiques si j'étais au début de ma chaîne, mais non, ça fait un an et demi que j'y suis, les critiques c'est un détail quoi. Déjà ouais, voilà, pour tous les youtubeurs qui m'écoutent, les critiques vous les laissez de côté. Les critiques c'est un détail, c'est quelque chose, il y aura toujours des critiques. Par exemple, moi maintenant je réponds aux critiques. Avant moi je disais je répondais pas, tout le monde dit il faut pas répondre, mais si tu as vraiment envie de lui répondre, le mec, tu lui réponds. Moi il y en a un qui m'a dit, tu sais, c'est des petits merdes qui passent comme ça, tu dis par exemple t'es une merde, moi j'ai répondu merci, toi aussi, tu vois, faut répondre avec de l'humour, sinon le mec il va continuer à t'insulter, il va dire ouais tu réponds, t'es une merde et tout. Et ça peut être grave, ça peut pousser au suicide. Donc vous répondez et après vous répondez plus. Écoute grand-père toi. C'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma? C'est Le Petit Prince, un film, et c'était vraiment super. Ouais, c'était super bien. Je l'ai vu à Toulouse. Trop de l'arbal. Blonde ou brune? Chauve. La 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 la. PC fixe ou portable? Portable. Lit ou canapé? Quand j'étais petit, je préférais canapé, mais maintenant, plus tu grandis, plus tu as besoin de deux places, donc je dirais lit. Moto ou scooter? Moto. Ton cap à atteindre en tant que youtubeur? Mon cap à atteindre en tant que youtubeur, ça serait... J'aimerais vraiment, en ce moment, atteindre les 10 000 abonnés. Là, je suis à 630. Mais ça arrive vite. J'ai des potes qui galèrent. Comme, je vais les citer pour aller voir leur chaîne. Je ne les mettrai pas dans la description parce que j'ai la flemme. Mais il y a Antitou, Jérém Save Gamer, Origin Wars, Forklays. Il y en a plein des comme ça qui galèrent à 20 abonnés. Et moi je suis à 630. Mais c'est pas ton style à toi qui fait la beauté de tes vidéos ou la qualité de tes vidéos. C'est la qualité de tes vidéos qui fait la qualité de ta chaîne. Je sais pas si tu comprends. Par exemple, mettons que t'es trisomique, par exemple. Tu fais des bonnes vidéos. Mettons que tu montres pas ta tête. Si tu fais des bonnes vidéos, tu peux avoir le million d'abonnés. Même si t'es trisomique. Si ça s'entend pas. Parce que par contre, si tu montes ta tête sur YouTube, il y a les critiques, vaut mieux pas. Hein. T'as une maladie comme ça, après tu fais quoi? Par exemple, si t'es comme ça, par exemple comme moi, et tu fais des vidéos de merde, tu fais style salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo les gars, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, yes, un petit partage, un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. En tout cas, je vous passe le salut les gars, allez ciao. Si tu fais de la merde comme ça, c'est sûr que tu t'auras jamais 600 abonnés. Enfin, je dis pas que moi je fais pas de la merde. J'ai commencé, si tu regardes mes vidéos d'avant avec Dorian, c'était vraiment de la merde. Hein. Mais bon, la morale, c'était quoi la question déjà au début? Ouais, la morale c'est que il faut faire des bonnes choses pour être aimé en fait. Ensuite, ton groupe de musique en ce moment. En ce moment, je dirais c'est pas un groupe, c'est Nekfeu. Parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment de la balle qu'il fait. Avant c'était Team BS, pendant un moment bien sûr, j'étais gamin, je tiens à le dire. Non mais voilà, pour l'instant c'est Nekfeu et... C'était la dernière question. Voilà, merci.
voyez pas. Tiens, niqué. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura plu. C'est rigolo ma chaîne, hein. Abonnez-vous. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez laisser... Attends, c'est la FAQ10. Je veux dire, vous pouvez laisser 10 milliards de j'aime en bas de la vidéo. Non, je rigole. Ibo InShape, c'est mon collègue, youtubeur. Tu peux pas dire que je le copie. Si je veux copier Squeezie ou Cyprien, je le copie, c'est mon collègue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bouche en travers, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la jeunesse. Donc, tu peux partager et... D'où partager, c'est ça maintenant. Tu peux partager la vidéo sur... Ah, ça fait pitié. Sur les réseaux sociaux et éventuellement fermer ta gueule. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la commenter. Et moi, les gars, je vous dis ciao. Merde, je vais tomber. Bon, les gars, je vais, avant de partir, je vais vous montrer mon installation de Rogitan. Quand tu arrives sur un terrain comme ça que tu connais pas, je sais même pas si j'ai le droit d'être ici, j'ai pas eu d'autorisation de tournage. En même temps, dans un champ, je sais pas s'il y a des obligations. Alors voilà, j'étais installé comme ça. J'avais la caméra sur le casque et ceci, je sais pas du tout ce que c'était. Voilà, je sais juste qu'en arrivant, il y avait à peu près 1 milliard de mouches, voilà, qui sont toujours, mais vous n'allez pas aller voir la caméra, qui montent à 5 mètres de haut. Je sais pas ce qu'elles font là, voilà. Peut-être qu'il y a des cochons morts dans ce truc. Ou même des... nénuphars. Quel est le rapport, je sais pas. Mais en tout cas, les gars, je vous dis ciao. À la prochaine. Salut. Oh, c'était nul. Ah. Hé, tu parles pas comme ça. Oh. Oh. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. Salut. Ouais.